Bah, de toute façon, on est parti pour un bout de chemin là. Ouais, elle tourne beaucoup. Elle tourne, ce que j'ai marché. Donc, est-ce que ça peut être un petit peu la mer? Ce que tu nous as pas dit aussi, c'est qu'il y a des déviations. Il y a deux, il y a une grosse déviation. Là, c'est ça qui m'énerve avec vous. Il y a toujours des déviations. Avec ouais. Là, on est au clos là. Au clos? Clos Saint-Lazare, tu connais pas? Ah, si, j'entends. Ouais. Armé comme à l'époque du clos. C'est là le clos. Ah là, c'était réputé pour être chaud avant. Ah, mais ouais, ça a changé. Bah, regarde, avant, c'était pas comme ça. Là, ils ont fait des travaux. Zéro bonjour. Faut vivre hein, les gars, hein, sourire. Hein. Oh là là, il est déprimé frère. Oh c'est qui ça? Oh, oh, vas-y, oh. Oh. Ah non, non. Faut que j'aille chez l'ophtalmo moi aussi. Faut que je change mes lunettes. Non, ma vue elle baisse. Voilà, et en plus, on va valider pour pas dire bonjour. Mais toi tu te considères comme quoi? Comme populaire ou moyenne? Honnêtement, au-dessus. Pourquoi? Parce que je sais que par exemple, je sais que le salaire que j'ai, enfin qu'on a, il est au-dessus de la moyenne des Français. Si c'est la jungle ici. Un jour je me suis embrouillé avec un gars comme ça là, t'as capté? Il me fait un ouais non je sais pas quoi. Alors, et regarde après, ouais, regarde. Ils aiment bien faire ça. Regarde après, t'as vu ou quoi? C'est un petit salaud. Ouais. Mais quel petit salaud, c'est un p***. C'est un demi-tour, comment il va faire avec ton compte? Regarde. Je t'ai dit les jours de marché ici, c'est une catastrophe. T'es mal le monde. Et regarde les gens, que des caddies, des poussettes, regarde. Ouais, c'est un délire. Regarde les bananes, tout ça là, les pommes de terre et tout là. Et c'est trop ici le monde. Pas un mot, pas. Moi ça me sidère les gens comme ça. Moi ça me sidère. Comment tu peux être élevé mentalement, humainement comme ça? Et le délire c'est quoi? C'est de pas rentrer là-dedans. Dans ce jeu là. D'être aigri comme ça, tu vois. T'as beaucoup de collègues sur aigri. Exactement, t'as beaucoup de collègues. C'est les gens qui l'ont rendu. On me l'a dit moi quand je suis rentré à RATP, on m'a dit ouais. Pourquoi t'es comme ça? Tu verras avec le métier, nanana. Non, je viens de commencer là, c'est pas grave. Faut juste j'ai envie de souffler un peu quoi, tu vois. Vas-y, souffle comme. Il rigole des fois, tu veux souffler, vas-y, souffle un petit. S'il me fait ça, le mec du cri, je te jure. Tu rigoles? Je vais à Romainville direct. Je suis où normalement sur le radar? C'est la porte de Paris. C'est bon, hein, c'est bon pour toi. C'est bon. Ah, bien mangé là. Ils ont vu, on n'a pas roulé doucement exprès, on n'a pas roulé vite non plus, on a fait ce qu'il y avait à faire, mais. Alors, je sais pas c'est qui le collègue. Après, t'as des mecs du CRIF, ils le savent ça. Ouais. Enfin, quand je dis des mecs, des filles aussi, des femmes. Je veux dire, il y a des collègues du CRIF qui le savent ça. Alors, par contre, ce rond-point là, je sais plus comment. J'ai pas le foie rire. Ça filme là? Ouais, ça fait un film. Foiré. Ouais, parce que c'est pour montrer le retournement. Ouais, mais ce rond-point là, attends. La dernière fois, tu te foutais de la gueule de la collègue là, tu dis, vraiment, si elle va passer comme à Moulin Instinct, Moulin Neuf, on rappelle. Faut t'envoyer la voix. Ils ont beaucoup de gazelles chez eux à Pavillon, je trouve. De gazelles? Ouais, ils ont beaucoup de femmes. Mais c'est des belles femmes. Elle a fait ça comme ça. Elle a fait ça. Ils ont des belles femmes chez eux, je trouve, à Pavillon. Frère, t'as fait un ce point là ou quoi? Petit là, on monte. Ah, t'incites à. Ah, ok, ça dépend dans la merde. Ouais. Parce que tu t'incites à monter la partie de transport. Ah, mais t'as pas le droit? Ben non, t'as pas le droit. Comme par hasard, moi je pars, elle part. Regarde, c'est un truc de fou. Ça m'a frère. On va les couilles, c'est un truc de fou. Au moment où je pars, tu pars. De fou mon frère. Vénère les gens comme ça. Depuis tout à l'heure je la voyais dans sa voiture. Au moment où je pars. T'as un gros CDF, voilà, c'est bien tranquille. T'as même pas fait ton club habituel en plus. Ah ouais merde. Salut à tous. T'as je savais pas que c'était bien. Ah lui c'est un râleur lui. Ouais, je fais craler la gueule. Non je sais pas craler mais ça m'énerve. Depuis tout à l'heure elle est dans sa voiture. Au moment où je quitte mon arrêt, elle veut partir. Faut pas s'énerver, laisse la partir. Ah ouais, Wesh in peace. Bon. On est sur quoi aujourd'hui là? Du 253 et je tiens à dire encore une fois ouais, dis-moi. Que votre gars là ici présent a décidé de venir un jour où c'est tranquille. Comment ça c'est tranquille? Il est venu un dimanche. Bah, frère, ouais, comment il s'est mis lui? Alors toi je comprends pas, toi. Je viens... mais frérot, il n'y a pas que. Je viens samedi, c'est pas bon, je viens un lundi, si tu râles. Viens en semaine, c'est la merde. Mais frère. Tu vois? Ouais, j'ai un gars, il a tapé le truc. J'allais dire quoi? Ouais, si tu veux venir un jour de marché, il n'y a pas que le dimanche, il y a le marché. Hein. Il y a le mardi, il y a le. Je sais plus quel jour. Donc, ouais. Toi, t'es dur avec moi. Hein, mais non, mais c'est toi, t'es compliqué. Tu dis ça comme si j'avais pas de vie. Parce que. Non, mais parce que tu te plains, tu dis, ouais, mais ça va, il se passe rien. Les jours où tu viens, c'est normal, c'est à toi de créer les situations. Hein. Ouais, c'est ça. T'es l'acteur, moi. Ah, je suis un acteur. Moi, je suis producteur derrière. Bah, tu me payes. Non, je paye. On va parler cash, paye. Combien? Je te demande combien? Ton prix sera le mien. 10 euros pour la vidéo, ça va. Vas-y, donne.
Ah là, quel rack. Ah là là. Donc là, on est parti pour un bon. Ouais, là, elle est longue la ligne. Et je vous dis que le poteau, il risque de s'énerver parce que là, il redoute le marché de ça. Regarde, regarde, ça commence déjà. J'ai viens de commencer. Voilà. Ça, c'est bien. Comme ça, tu vas travailler comme au net, là, le portafolio, le point de pivot. Quoi ? Moi, je casse sa voiture, je m'en fous. Moi. Regarde, peut-être que ça a double sens, hein. Tout ça, là. Ah ouais, comment ils font ça ? Bah, ils sont garés comme ça. Et comme d'hab, ils sont jamais alignés, eux. Voilà. Et nous, on fait un petit tour de travers, ça y est, on se fait aligner. C'est injuste. Attention, t'as pas mis le FAE, là, stop. Voilà, oh, j'ai pas mis le FAE, mais j'ai fait le stop, mais j'ai pas mis le FAE. Oh là 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 là. Et tout ça, là, faut aligner tout ça, là. Mais non, ils sont jamais alignés. Ouais, ils sont pas alignés. Il y a une forme d'injustice, hein, franchement. Je pense qu'ils doivent tolérer parce qu'il y a des habitations. Ouais. Et pourquoi nous, ils tolèrent pas? T'as vu tous les parkings qu'il y a, là? Ah, ils sont remplis aussi. Tu ouais, mais tu connais très bien dans les parkings, il y a toujours des voitures abandonnées. C'est très bien. Une voiture est là depuis 2004. Ah, je te jure. Non mais bon écoute hein. Bon, bah de toute façon on est parti pour un bout de chemin là. Ouais, elle tourne beaucoup. Elle tourne moins ce que j'ai entendu. Il y a marché, donc est-ce que ça peut être un petit peu la mer. Ce que tu nous as pas dit aussi c'est qu'il y a des déviations. Il y a deux, là. Il y a une grosse déviation. Là, c'est ça qui m'énerve avec vous, il y a toujours des déviations. Avec ouais. C'est la merde. C'est quoi la déviation, c'est que tu perds beaucoup de temps. Alors il y en a une, tu gagnes, et la deuxième tu perds. Et la deuxième que tu gagnes, tu rates beaucoup d'arrêts. Non, c'est la première où tu rates beaucoup d'arrêts. Tu rates 1, 2... 3 ou 4 je crois. Ouais. Ça a changé ici. Hein. Tu sais, la dernière fois que j'en ai fait, il n'y avait pas tout ça. Là. Il n'y avait pas de logement. Là. Ah ouais. Elle est en train de guetter la ligne dans le volant. Ah, parce qu'elle se dit ce qui me gêne. En tout cas, si tu veux. Non, regarde, j'ai fermé la porte sur les gens parce que j'ai pas de rétro. T'as vu, je vois pas. Ouais, tu vois pas. Ouais, mais ça, la caméra arrière elle te dit pas s'il y a quelqu'un qui est en train de se lever. Tu vois. Et le poste 8 qui te dit ouais, mais non, c'est pas un motif, tu continues à rouler. Le poste 8 ils veulent pas se prendre la tête. Ah, ouais, le poste 8 ils veulent plus travailler. J'espère qu'il y a des mecs du poste 8 qui regardent la vidéo, j'espère. Vous êtes des bons à rien. Voilà, c'est dit. Non, mais je vous le dis, c'est vrai. On te dit ouais, faut travailler comme ceci, comme cela, mais on te donne pas les outils adéquats. Donc si je comprends bien, la RATP c'est plus que c'était quoi. Ça dépend des secteurs. Ça dépend. Des dépôts, tu veux dire. Des dépôts, ouais. Ça sent pas le... Ouais, j'ai senti aussi. Je crois que c'est pas le bus qui est en train de... Ah, c'est possible, hein, parce que... C'est plus là. Ah, comment tu tartines, frère. Bah, c'est bon, là, il s'est arrêté. C'est chaud encore, les gars, ils font exprès de rouler. Exactement, t'es chaud de fou. Ils font exprès d'arriver vite. Et regarde, il tournait derrière, regarde, il est derrière moi. Il est par là. C'est pour ça, il avait... T'as vu? En fait, t'as pas compris qu'un bus, ça, ils aiment c'est pas. Ça, ils aiment pas. Ils aiment pas. Mais je pense que tu vas charger, là, j'ai peur que tu vas charger. Ah, t'as peur. Oh, il a peur. Oh, c'est gentil, ça, c'est mignon. Il a peur pour moi. Attends, puis quand même, t'es l'acteur. Il faut quand même que l'acteur, je le mette bien un petit peu. Mais dis-moi, vas-y, avance, là. Oh là là. Hey, en fait, toi, t'es le machin sur le plus râleur que j'ai connu. Non. Je jure, je suis adorable. La vérité, merci madame. T'es un faux calme en fait, tu fais ton petit air gentil, mais t'es un faux calme. Je suis. Non, y a pas de faux ou de vrai. C'est que je suis calme, mais après, des fois, voilà, tu peux péter les plombs. Ah, toi, tu pètes souvent les plombs. J'ai pas pété les plombs encore là. Ok, il est à peine, il est pas venu, monsieur, un bon. Bon, j'avoue. Mais ça va, ça reste mignon, c'est gentil. Là, faut juste qu'on trouve, faut pas qu'on croise une gazelle, parce que là, tu vas partir en live. Là. Parce que la gazelle tout à l'heure, là. Ah, mais tout à l'heure, elle était jeune, ça, le problème. Elle était jeune. Ah ouais. On pouvait pas l'engueuler, elle était trop mignonne. Ah, pourquoi t'attends qu'on part pour lui dire ça? Non, d'ailleurs, je te demande ton avis. Non, j'ai dit comme ça, je t'ai dit que. Ah ouais? On peut pas l'engueuler, parce qu'il est la pauvre et tout, elle est gentille. Elle aime pas monter, elle est partie en plus. Elle est restée à l'arrêt. Ouais, au moment où je suis parti, elle est. Hop. Elle voulait que je sais pas, j'en sais rien. Tu sais, des fois, faut pas comprendre. Ah bah oui. Ça va, c'est moins bordel que tout à l'heure. Ouais, parce que les gars, ils sont bien arrangés. Ouais. Qu'il pleuve pas trop. Bon, on espère, t'as vu, ça commence à être gris. Hein. Ah, ça tombe. Hein. Allez, hop, feu vert, c'est parfait ça. Ça va, tu gagnes du temps. Là. Ouais, tu vas prendre ton collègue de devant ou pas? On est en ponctualité bizarrement là. Ah, comme par hasard. Comme par hasard, t'as vu? Parce que j'allais dire, est-ce que s'il était bloqué, tu l'as attrapé? Je me dis, peut-être c'est le marché de Saint-Denis qui peut me merder. Il y a le marché de Stein aussi des fois. Là, on est à Stein. Mais là, il n'y a pas aujourd'hui. Les gens qui attendent là-bas, c'est qui là? Parce que je crois que c'était pour toi. Là-bas, c'est 255, 252 et 150. Ah ouais. 255, faut que tu la fasses aussi. Hein.
de 5-5 mois. Ah, celle-là, il n'y a pas de week-end ou de nuit ou de. Hey, un jour de semaine, l'heure de pointe. Ah ouais? Ah là, ça va être le bordel. Client court 20 minutes pour faire un arrêt. Bah, tout le monde me l'a dit, tout le monde l'a demandé en plus en commentaire. Ah, 5-5. Elle est cotée, on va dire. Elle est cotée? Arrête, parce qu'elle va à Paris, je sais pas. Sûrement. D'ici là, putain, ah, là, c'est que même plus tard là. Ah, c'est pas fou, hein. Ah, c'est pas fou, lichon. Ah. Regarde l'état de la route aussi. Comment? Regarde l'état de la route. Parce qu'on est à Stein, mon gars. Ouais. Et là, tu vois, c'est pas comme le 2-6 sud. Le 2-6 sud d'hier, on était à Stein, mais du bon côté, c'était ça. Ouais, c'est ça. T'as vu cet arrêt? T'as vu les gens de marché? Ouais. Cet arrêt là, c'est un arrêt de métro. Tu vois, il y a un monde de fou. C'est là? Ouais. Bizarrement, quand je viens filmer, bah. Bah, y a pas le marché, je t'ai dit. C'est t'as fait exprès, non mais je sais. Non mais c'est pas moi qui fais exprès, c'est la RAT, peut-être la RAT qui fait exprès. Non mais tranquille, c'est pas grave, au calme. Bah c'est pour toi en tant qu'il veut du contenu, tout ça, nan, nan. Bon, on a mal du contenu dans tous les cas. Avec, Ouais mais on sait très bien, c'est pas ça que tu veux toi. Toi tu veux du sang. Du sang. Tu veux du sang toi. S'il y a pas de sang, t'es pas content. C'est vrai qu'on se voit, c'est un peu comme les vidéos de. Pour l'instant, les vidéos de Sandy que t'as faites, elles sont calmes. C'est calme, hein. Et ça m'arrange parce que ça me fait du bien. Voilà. Comme ça, en mode, je remonte ta réputation, tu écoutes ça. Voilà. Vous voyez, on dit que t'écoutes Sandy, c'est. Ah, mais en fait, c'est pas si ah que ça. T'as comme en vidéo, tu vois. T'as dit quoi? Tu dis la première en vidéo, tu vois. C'est dire comme des transidèves, je veux pas toujours que ce soit la merde. Après, comme si on est dimanche. Après, bah ouais, dimanche. Eh ouais. Ah, dimanche, des fois, les gens ils sortent. Attention, ouais, mais pas ici. À Sandy, ouais, mais pas. À Stein? Pas à Stein. Attends, l'Astin là, je pense qu'on est dans la partie calme. Ouais. Mais quand on va arriver vers l'université, tout ça. Tu fais tous les arrêts quand même. Non, mais si. Hein? Tu fais quand même tous les arrêts, hein? Bah ouais, il y a de la descente. Hein. Alors qu'il n'y a pas, si, y a pas aussi, énormément de monde. Ouais. Bah, c'est, après là-bas, ça va être de la montée. Ah ouais. Pourtant, tu vois, il y a des poussettes, il y a des caddies et tout, mais je sais pas ce qu'ils font avec. Il n'y a pas de marché, je sais pas. Des fois, tu ne poses même pas de questions. Si, comme je te disais la dernière fois, des fois, je continue à essayer de comprendre. Alors, regarde, c'est comme la. Ah, si, je pense que la dame qui était sur le tout à l'heure qui m'a dit aide-moi, mon fils. Ouais. T'as vu comment elle était chargée? Je pense qu'elle venait du marché, du coup. Ouais. Du marché. Bah, les gars, il faut qu'ils fassent leur course pour la semaine ou pour le mois. Ah, bah, elle a fait un truc. Mais tu sais, tout ce qu'elle a fait là, on aurait pu se dire, elle a fait ça pour un mois. Mais ça, dans 3 jours, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Je pense que t'as une famille nombreuse. Voilà, t'as capté, famille nombreuse. Oh, t'es mort avec un mec comme ça là, voilà, tu vois. Voilà, tu vois, regarde, il s'est. Voilà, repart encore chercher. Oh. Voilà, non, c'est un papy aussi, c'est normal. Voilà, bon, maintenant c'est voilà. Bon, il a rattrapé il ça. Il envoie. T'as vu, ce que j'aime bien, c'est qu'il se prend pas même pas la tête, tu vois. Il se dit qu'il y a un bus, mais il y en a, ils auraient déjà pas mis. Il y en a, ils prennent la pression, ils ont la pression quand t'es derrière comme ça. En plus, ce que j'aime pas, ce genre de voiture là, ils ont comme, tu sais, les accroches caravanes derrière. Ah, bon, j'aime peut-être que c'est interdit ça. Hein. Parce que ça tue les. Je sais, ça tue les voitures, moi. On a même niqué la mienne. Ouais. Ça c'est interdit dans le code de la route, c'est interdit mais ça. Mais ils se font jamais attraper. Ouais, parce qu'on s'en fout. T'as vu, des fois, tu sais, ils font quoi? Ils se garent à l'arrache pour que tu puisses passer, après ils ressortent, ils se remettent bien. Ouais, ils veulent pas te déranger. Ouais, c'est ça. En mode, vas-y, passe. Moi j'en ai rien à cirer, moi je vais bien faire ma manœuvre. C'est ça. Je vais pas attendre que le gars il passe. Non. Pourquoi subir la pression comme ça? Là tu sais, on est au clos là. Au clos? Clos Saint-Lazare, tu connais pas? Ah si, j'entends, ouais. Armé comme à l'époque du clos. C'est là le clos. Ah là, c'était réputé pour être chaud avant. Ah mais ouais, ça a changé. Bah regarde, avant c'était pas comme ça. Là ils ont là, fait ils les ont travaux, tout, ouais. Ils ont rénové et tout. Clos Saint-Lazare, dédicace au collègue du 145 de pavillon qui vient de là d'ailleurs. Je sais pas si t'as regardé la vidéo. Ah ouais? Là, il nous dit qu'il venait de là. Hein. Ah bah ça a bien changé. Hein. Avant c'était plus gang avant. C'était sale, ah c'était. Bah, tu vois. Là ils ont fait, là ils ont bien décoré, ils ont bien refait les arbres et tout, les grilles, tout ça, la peinture. C'est mieux, c'est quand même l'image quand même. Ah bah oui, dans c'est mieux comme ça. Après tu sais, il y a des cités, ils rénovent juste de l'extérieur, mais l'intérieur c'est la même merde. C'est la même. C'est juste histoire que visuellement. Voilà. Quand c'est filmé là, regarde, là ils disent. Voilà. Quelqu'un qui connaît pas le quartier va dire oh mais ça a l'air sympa ici, je me demandais s'il y a des logements. Ouais. En fait, non. C'est la même merde. Exactement, c'est la même merde. Oh là là, qu'est-ce que ça tourne? Tu sais ce qui m'énerve, c'est que ça tourne. Et quand dès que t'as fait tourner, t'as un arrêt. T'as un arrêt juste derrière. Du coup, tu dois faire ça, tu dois te mettre en angle droit bien et bien droit direct. Pour bien serrer le trottoir. C'est ça. Tu as des poussettes, des cadres, tout ça là. Je sais pas, je vois pas. Je sais même pas il y a quoi dans mon bus. Ça, c'est un motif de rentrer le bus. Hein. Mais bon, on va pas le faire. On est gentil, nous, on tolère. On tolère. Allez. Ça, normalement, t'as pas le droit de rouler comme ça. Hein. Ouais. Comme s'il y a une mouche. Exactement, non mais tu sais qu'en plus il y a. Exactement.
Exactement, c'est vrai. Si elle mouche, elle peut te dire ah mais là vous avez pas de rétro. De toute façon là, la mouche elle vient, de toute façon tout est, ce qu'on a fait tout est illégal là. Portillon. Bon ça y a moyen de moyenner, tu vois. Il y a moyen de s'arranger, bon mon gars. Il va avoir tous les câbles, ouais. Il va dire c'est quoi tout ça là. Il cherche son téléphone, il a le droit. Ouais, mais il y en a un autre encore, ouais. Ils sont serrés, hein. Mais de l'autre côté, on dirait qu'ils sont pas beaucoup. Quoi, de bah, c'est lui qui a du retard, il est déçu qu'on vient de croiser. Mais ça se voit que c'est un nouveau. Lui, il va arriver, il va repartir direct. Non, mais lui, c'est un nouveau, ça se voit. Parce que je l'ai vu comme il t'a salué, même sa face à Chichu. Ah ouais, on dirait qu'il. Putain, j'ai même pas vu sa gueule, j'ai juste fait ça par réflexe. Il y a beaucoup de nouveaux en ce moment. Ah, mais il y a que ça. Par contre, il y a plus de gilets verts. C'est comme ma copine d'hier, elle a été. C'est une nouvelle, hein. Attention, un créneau. Ah. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y. C'est la journée des créneaux aujourd'hui. Hein. C'est incroyable. Bon là c'est une magnifique gazelle, je pense qu'elle va le faire en deux. Magnifique gazelle, magnifique. En deux d'elle l'a fait. Magnifique, bah putain, pas chez l'ophtalmo mon pote. Hein. Ah ouais frère, on va pas chuter. Hein. Après je dis les goûts et les couleurs, sont tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Bon, mais tu vas pas passer tes lunettes aussi, c'est pour ça. Albania. Albania. C'est vrai que ça tombe, j'aime pas les lignes qui tournent. Ah elle tombe beaucoup celle-là. C'est fatigant, c'est tapant. Ah ouais les épaules, non les épaules. Surtout les épaules. Si t'as pas la posture que je fais, tu regardes, tu vois, comment tu tournes le vol, regarde. Tout ça, tes épaules, elles prennent des coups. Allez, recule. C'est qui? Une femme. Pourquoi tu lui fais faire ça? Toi, t'es mauvais. Mais je fasse comment? Toi, t'es mauvais. Mais non, mais tu te fasses comment? Ouais, t'as même pas calculé. Je sais, t'as vu. Vénax, sa cigarette là. C'est pas grave, moi, j'ai dit merci parce que moi, je suis bien élevé. Non, c'est bien, toi, sociable. Toi, au moins, t'as fait le geste. Moi, t'as vu quand je dis merci? Voilà. Moi quand je dis merci un truc comme ça, j'entends rien en retour. Moi je sais que mon côté j'ai des... T'as fait ta bonne action. Je suis aimable, je suis sociable. Je suis bien éduqué, bien élevé. Maintenant si tu me rends pas le merci ou si tu m'envoies chier, c'est pas grave. C'est pas et normalement j'ai envie de te dire, j'ai pas besoin de dire merci. C'est censé me laisser passer, c'est une obligation. C'est le petit véhicule qui laisse passer le gros véhicule. Et en plus j'arrive de sa droite. En plus. Donc en vrai j'ai même pas besoin de dire merci, tu vois. Et tu vois déjà qu'elle fumait, tu sais qu'elle est pas dans son état déjà. T'as pas vu les cernes qu'elle a vues? Non, j'ai pas vu. Bon là, plutôt, ça a l'air de plutôt bien se passer là pour l'instant sur la ligne. On va commencer hein. Bon les mecs, n'hésitez pas, on s'abonne, on like, on commente. Ouais. À partager, commenter. Il y a beaucoup de gars qui s'abonnent mais ils like pas. Partager, commenter. C'est pas un réflexe chez. Je comprends pas depuis le temps, il y a des gens qui descendent mais il y a personne qui monte. C'est-à-dire je me dis mais c'est bizarre. Ils viennent d'où les gens en fait? J'ai capté? Ouais j'ai capté. Tu es zéro bonjour. Ouais. Zéro bonjour. Ils ont, faut vivre hein, les gars, souris. Hein. Oh là là, il est déprimé frère. Ah c'est le marché de Stein ça. C'est je rigole. T'as rien respecté. Ça c'est le marché de Pierrefitte. Ça. Franchement il fait pitié le marché là. Ah ça dépanne hein, ceux qui habitent dans le con là. Ils sont un peu c'est isolés. Vrai, c'est vrai. Ça peut dépanner. Lui hein. À mon avis il doit être grave cher parce qu'il n'y a personne. Mais il y a ça aussi à l'université, je sais pas si t'as vu quand tu sors du métro. Ah ouais vite fait ouais. Bon à l'université moi j'ai vu que des vendeurs de clopes. Hein. Si bien. Quand tu sors à gauche là il y a un grand stand. Là où nous on fait la descente voyageur. Ouais. Il y a un mec, il y a un grand truc comme ça. Tous les jours. Moi je crois il a tous les jours lui. Par contre ça c'est des. Ça je crois c'est nouveau ça. Mais c'est bien, il dépanne tu vois. Après moi j'irais personnellement j'irais pas acheter là. Pourquoi? Ah non. J'ai confiance. Tu dis c'est pas c'est bien lavé. Ouais voilà. Bien. Pour avoir la chiasse pendant 3 mois. Non merci. C'est quoi qui va en plus? C'est vrai que ça, c'est des fruits et légumes. Des fruits et légumes. Ouais, il y a des courgettes, tout ça, bon peut-être ça peut passer. Hein. Faut regarder la pluie, faut regarder. Ah là, là tu kiffes cette partie-là, j'ai remarqué même sur le 2-6-8 c'était pareil. On le déjà du 2-6-8 il me semble. Ah le 2-6-1 c'était passé par là, c'est là. Là tu vas regarder les femmes de bus. Là. Mais comment ils appellent ça? Kick down. Kick down, voilà. Non mais calmez-vous, je suis pas allé jusqu'au bout. T'es à 55 je crois, comme ça. On va pas aller jusqu'au bout pour voir ce que c'est. Non, 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 non. Parce que t'as dans le ventre toi aussi. Là. Celui-là il envoie. C'est quoi, c'est un MAN 2 ça? C'est un MAN 2. Je connais même pas les véhicules MAN 1. Il y a des MAN 3? Je crois pas, je sais pas, non. J'en sais rien. On a que des MAN 2 de toute façon. Dites-nous en commentaire si les MAN 3 ça existe. On a des MAN 2, des GX et quelques hybrides. Moi j'y connais rien dans les matos de bus et RATP et tout ça. Je commence un petit peu à apprendre quand même, hein, mais. On va dire, je suis pas. Toi c'est Urban Way ton préféré de ça? Ouais Urban Way. Soit gaz, soit hybride. Et j'en ai jamais. Moi j'aime bien avec le Komodo de ralentisseur ici là. Ah bah c'est ça qui. Là c'est pas mal ça quand tu dois piler, ça peut t'aider. Alors sur les gaz ils l'ont pas, c'est ce que je trouve dommage, mais sur les hybrides ils l'ont. Ah sur les gaz il y a pas? Non. Même les nouveaux MAN là? Les nouveaux MAN je sais pas. Ouais même les nouveaux MAN je crois il y a pas parce que quand j'ai filmé il y avait pas je crois. Ah c'est dommage, ça, franchement quand tu dois piler, c'est trop bien. Bah, après, ça pile mais sans à-coups.
Voilà, c'est ça qui est bien. Mais par contre, des fois, il y a certains urbains, quand tu le mets, ils mettent du temps à... Ils mettent du temps sur, à ralentir. Il y en a, c'est d'office, mais il y en a, c'est long. J'ai capté. Bon là, à partir de gare de Saint-Denis, là, je pense qu'on va commencer à rentrer dans le dur. Je sais pas, comme je dis dans ce sens-là, je sais pas. Mais attends, c'est-à-dire le marché quand tu l'as fait tout à l'heure, là, tu passes au même, ou passez au même endroit, au même endroit, c'est le même chemin aller-retour. D'accord. Si tu verras là-bas, c'est comme un, t'as le marché, t'as les tramways. Ça vit quoi. Ça vit quoi, voilà. T'as le T1, t'as le T5. Et là, attends, là on va donc là on va jeune. Non. À la gare de la Courneuve. La Courneuve. Aubervilliers. Je tourne comme toi là, regarde, t'as vu pas vu. Je peux en fait ça je le fais des fois comme toi. Ouais. Seulement si c'est pas un virage serré. Toi c'est une petite courbe, là tu as un virage comme ça, qui est pas trop en angle droit, je peux faire comme ça, ça m'aide, ça me facilite un peu, ça me soulage. Ah. Mais si c'est une courbe de fou, ça me fait chier. Là prendre la tête, je vais tourner. Et comme je sais que c'est large, t'as vu c'est large, je peux le faire. Là tu vois, je peux faire comme ça. Quand on court là un peu, comme les pigeons. Ouais. Tu vois les pigeons. Oh, ok, les pigeons maintenant ils veulent plus voler. Ouais, ouais. Ah, la paix, ils laissent leurs plumes. Hein. Ah ouais. Et là tu fais où l'arrêt là? Là ici. Ah, parce que lui je voyais qu'il voulait venir ici. Ah bon? Ah c'est ici l'arrêt. Ah ouais, bonjour. T'as toujours le gars qui aime bien venir dans le jeu. Je te jure, bonjour. Comme dans le site de 6-8 là, ça m'a énervé. Il était là, il bougeait pas. C'est pour moi ça la maman là. Là, guette, si tu pars là, elle va te. À partir de là, il y a une déviation. Elle va faire un œil. Ah, il y a vraiment une déviation là. Bonjour. Bonjour. Là, il y a une déviation maintenant. Hein. Toi, tu check les déviations. Ah, tu voulais pas. Hein. Ah, ouais. Toujours quand tu pars. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous dérangez? Est-ce que vous allez à Aubervilliers? Oui. La Roseraie par là? Non, on va à la gare de la Courneuve. Après là-bas, il faudra prendre le 150 pour la Roseraie. Faut que je descende où? Au terminus, vous prenez le 150 après. 150 après, ouais. D'accord. Au terminus. Là, j'ai de la chance, je sais pas du tout. C'est vraiment le hasard. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Attends, fais gaffe. Ah non, c'est bon. Ça vaut quoi? Ah, je vais. Prends le volant ou? C'est ça, t'as trouvé là? Non! Ah, démarre le bus là! Toi, tu passes sur YouTube en même temps. Comment ça? Il filme en fait. Il fait des ALM vidéo. Ok. T'es en roulant dessus toi, non? Non, je suis pas en roulant dessus. Tu vas où là comme ça? Là, je vois, j'ai fini. Ah ouais? Ouais, je vois, tu vas jusqu'à où? Tu vas jusqu'à où comme ça? Hein? Tu vas jusqu'à où? Comment ça, jusqu'où? Je vais au dépôt? Ah oui c'est vrai, il y a la Non, il est branché parce que moi j'ai complètement. T'allais passer là-bas toi? Mais non. Oh, tu m'avais peur. Parce qu'il y a une déviation. Non mais j'avais oublié. Non, je savais qu'il y avait la déviation, mais j'avais oublié que du coup on faisait comme le 255 sans monter là-haut. Ouais, Eh frère, moi ça fait des années j'ai pas fait ça. Moi mais j'étais en dispo. Ah ouais. Ah ouais tu m'as dit, mais il va où? C'est un ALM ça pour le bus tout ça? Ouais. T'as jamais tombé sur YouTube pour les vidéos comme ça? Non. Ah bah non, mais branché hein. Moi je fais avec la carte. Ah ouais, attends, t'as vraiment à l'ancienne. C'est quoi la carte? Avec la carte. Quelle carte? Savoir où tu passes. Là, la carte. Comme à l'ancienne, tu peux tourner à la RATP avant, tu faisais ça, c'était avec la carte, il n'y avait pas de tablette tout ça. Après t'avais une carte, t'étais en double et t'avais aussi une carte il me semble. Une carte. Genre une carte, dépouille une carte. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je sais même pas. T'as tourné hein. Hein? T'as tourné hein. Moi? T'en sens-tu, t'as tourné hein. T'as fait quoi de c'est, non, c'est une ligne qui est toute petite et tu tournes à la mort. Laquelle? 168. J'imagine même pas hein, les personnes qui sont d'après-midi sur cette ligne-là. Voilà, paix à l'heure. Voilà. Mais je crois que c'est l'inverse, c'est le matin tu tournes plus parce que ça roule mieux. Ça roule mieux, c'est ça. Moi, j'ai bombardé, il y avait personne dans mon bus. Putain, j'ai... Il y a des versions qui sont enregistrées. On voit pas. De plus, il y a la déversion rue de Paris là. Ouais. Ouais, donc du coup, tu gagnes du temps. Ah non, c'est trop cette ligne. Eh, t'as des 7 tours, dis-toi. 7 tours. Ouais, 7 tours, ouais. Ah, là, j'avais fait 6 aujourd'hui. C'est quoi, ça veut dire que tu fais du 25 minutes alors? La course, ouais, fait un truc comme ça, c'est ça, non? Ouais, même, tu peux même la faire en... En 15 minutes, 15 minutes. Ouais, tu peux la faire en 15 minutes, même. J'aime pas les lignes comme ça. Oh, mais il y en a, ils disent que c'est bien, tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, ils se disent, toutes les 15 minutes, moi, je suis en pause. Quand toi, ta course, ça fait une heure, moi, toutes les 15 minutes, je suis en pause. Donc, j'ai plus de pause que toi. Ouais. Ouais. Vu comme ça, bon. Mais c'est que tu tombes beaucoup.
Dans les fesses, mon pote, je te vois. Comme toi, on va commencer à souffler. Les équilotesses, on va commencer à souffler. Ouah, dis pas des trucs comme si je la dingue. Bon, vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Hey, il m'a mis une crampe, j'allais checker. Ah ouais. J'ai fait comme ça, wesh. J'allais checker. Il m'a mis une grosse crampe. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, t'as rechecké là. Non, mais t'as... Tu verras dans la vidéo, j'ai fait ça. J'ai ouvert, après, j'ai fait ça. Ah ouais. Ah, tranquille. Non, zéro, quoi. Bah franchement là, il a commencé le premier zéro de la journée. Ah là il m'a fait un 1-0 frère. Ah tranquille. Ça compte pas ça. Ah ouais, ça compte pas ça. Ça commence là. Ouais, c'est ça. Parce que là on rentre un peu dans le... dans la partie sombre. Ouais, il va là. Là il y a un radar ici. Ouais mais il flash pas. Ah, regarde, il a freiné. Il flash pas de ce côté. C'est que souvent quand je filme les radars ils se mettent en action. Ah moi je connais, il flash pas de ce côté. Mais les gens ils savent pas, regarde, il a... tu verras dans le rétro que il a freiné. Ouais. Ah ouais. De toute façon je suis en V2. Donc je suis tranquille. Ah donc là c'est la déviation là. Ouais. La déviation elle est méchante. Là, donc, normalement on passe là-bas. Et là-bas t'as au moins je crois 3 ou 4 arrêts. Ah ça tu m'as dit tout à l'heure, tu rates 3-4 arrêts. Tu rates tout ça là. Et normalement t'as vu les voitures qui sortent à gauche là. C'est bouché en semaine ici. Hein. Non ça va hein. Ça roule mais ça roule, c'est bouché. En fait t'as beaucoup de voitures. Ouais t'as beaucoup de voitures. T'as vu à gauche là? Ouais. T'as vu les voitures qui sont sorties de la gauche? Ouais. Normalement on sort de la gauche là. Ouais. Et après on se met là, on se met dans cet axe. Ah donc la fin de déversion c'est fait, c'est après le feu là. Voilà. Donc normalement on sort de là là et après on prend cet axe. T'as vu tu gagnes du temps de fou. Mais on va le perdre dans le centre-ville, enfin là-bas à mon avis on va le perdre parce que là-bas t'as beaucoup de feu, t'as beaucoup d'arrêts, t'as beaucoup de tension. Si si moi je suis sûr. Tu penses? Là-bas tu perds du temps, il y a beaucoup de feu, tu traverses le centre-ville de Saint-Denis, c'est relou. Ouais. Donc on va les perdre en fait je pense. On verra bien nos réserves. Ah là là tu me sens du... comment il s'appelle Nekfeu. Nekfeu. C'est mon... Tu sais que Nekfeu, tu sais que Nekfeu, ouais. C'est... alors comment te dire ça? Je trouve qu'il a pas trop percé ce mec là. Hein. T'es un ouf toi. C'est juste que c'est pas un gars qui Monte. C'est mais il a percé. T'as vu il a percé dans les 2004. Dans les clashs tout ça là. 2012, 2013 par là. Et j'allais dire, Nekfeu, ouais. C'est le... Je sais pas comment on peut dire ça, attends. C'est... En gros, t'as vu la sœur de mon beau-frère. Ouais. C'était son gars. Ouais. Ils sont gardés, ils sont restés en contact. Ah ouais. C'est-à-dire, bonjour, c'est-à-dire il est pote avec mon beau-frère. Ouais. Oh, c'est-à-dire que tu me connais un petit peu, là. Vite fait, on s'est déjà croisé, mais bon, maintenant... Et lui, il est où, lui? Je sais pas, dernière nouvelle, il était vers... comment ça s'appelle? Vers Biarritz. Mais après je sais pas. Mais ça fait ça, je te dis ça, ça fait longtemps que tu vois. Moi c'est mon single préféré de chez lui, c'était Ruff, mon Ruff. T'as écouté ça? Moi c'est ça c'est Margot, ça c'est Madope, ouais, t'es chaud. Mais j'aime bien parce que lui il est pas trop genre ses sons sont calmes en même temps. Ouais il dit pas ouais je viens de la rue, j'ai un narcotrafiquant, je sais pas qui, j'ai des tonnes qui arrivent de Colombie. En fait je trouve que c'est un rap mais propre. Tu m'as dit la déviation c'est bon, là on est sur les chaînes normal là. Ah donc tu tournais pas au feu à droite en fait. Non mais je t'ai dit que je t'ai montré tout à l'heure d'où on venait et après normalement on vient par là. Ah, je tournais directement au vide, j'ai cru ça. Oui, il sort sa main comme ça. Il est dans sa voiture le gars là. Il est dans sa voiture? Ouais il est dedans. Moi je le vois pas là. Ah ouais? Ah si j'ai l'impression qu'il est dedans, ouais, à sa ceinture. Il veut pas reculer. Hein. Tu veux pas lui mettre un coup de klaxon? Faut tout leur avoir, ouais, c'est ça. Faut vraiment tout leur dire. Ouais, si tu leur dis rien, il est sur son tel. On dira merde, des contrôleurs, on les mord dans le film. Ah, j'ai pas de ticket, moi je vais en prendre de toute façon. T'as pas de ticket? Ah, ça va aller là, regarde. Bah oui, après tu crois quoi? Tu l'as dit que ça va plus après. Mec, il dit, t'as pas entendu, il a dit nique sa mère en mode c'est les contrôleurs, mais. C'est pas que voilà, si je veux, je t'envoie toi là, et hop. Faut que je me fasse défoncer en forêt. Ouais. Un contrôleur normalement devrait être 2-3. Hein. Ah, il ne veut pas passer à l'arrière.
T'as fermé déjà? Ouais. Ça dit pas merci, je l'embrouille. Bonjour, merci. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, monsieur la star, là, il attendait son petit. Ah, je voulais m'embrouiller. Non, faut pas. Oh, dis pas, c'est ce que tu veux, toi. Ouais, en forêt, ou non, moi je veux que tu t'embrouilles avec peut-être des scotobulis, mais pas avec les basques. Bah, avec les, c'est la même merde. Hein. C'est la même merde, frérot. Quelle est la différence? Parce que je crois qu'il y a des coups de couteau qui sortent ici, on les. Non, t'inquiète. Oh, c'est qui ça? Oh, oh, il a dit oh. Non, faut que j'aille chez l'ophtalmo moi aussi. Faut que je change mes lunettes. Non, je vais mettre ma vue, elle baisse. Voilà, et en plus, on va valider pour pas dire bonjour. Tu connais ça, c'est les gens de Rack, les stars, ça, tu connais. On va valider pour pas dire bonjour. Il n'y a même pas à parler. Non, faut que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo. J'ai ma vue, elle baisse là. Ah ouais? Mais lui, il va gêner mon collègue quand il va venir. Ah, c'est ça, tu vois, moi, c'est ça que je voulais là, tu vois. Tu vois, comment ça passe, tu me diras, ça passe. Ça passe. C'est un collègue devant, lui aussi en ALM devant là, tu le vois là. Ah ouais? Avec sa cravate là, bien repassé. Putain, le feu il est vert. Et lui il va te gêner. Ouais, il va me gêner. Ouais, en plus il est court le feu. Mais pourquoi l'autre il n'avance pas le CNI? Parce qu'il l'a pas vu. Et l'autre il en profite du coup. Ah regarde, t'as vu, j'ai dit quoi? Le feu il est trop court. Ah oui, il est trop court. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un tram qui arrive. Je suis sûr qu'il y a un tram, tu penses? Ouais. Ah bah si, regarde. T'as raison, tu connais bien toi. Je t'ai dit, dès qu'il y a un tram, les feux ils tiennent pas. Ça fait chier les trams, je t'ai dit, ça fait chier. Quand t'en as beaucoup, là encore peut-être dimanche. Bah toi, t'as, nous, comme Saint-Denis, c'est une ville où il y a beaucoup de trams à Saint-Denis, t'as le T1, t'as le T8, ouais, t'as le T5. Ils sont bien desservis quand même. Saint-Denis, C'est bien desservi. Hein. Il y a la ligne 13, il y a la ligne 14 bientôt. C'est il y a RERD, il y a RERB, et bientôt il y aura la ligne 15, 16, 17. Je trouve que c'est mieux desservi que les quartiers bourgeois. Hein. Ah non, mais clairement, Saint-Denis, c'est en la ville. En fait, c'est, les quartiers bourgeois, c'est parce que eux, ils ont leur caisse. Comme je te disais la dernière fois, c'est une question, c'est la main-d'œuvre, elle est ici. Ici. Les gens dans les quartiers, ils ont des voitures. Ouais. Tu vois. Alors qu'ici, ils n'ont pas de voiture. C'est la classe, quoi, on peut dire pauvre, populaire ou je sais pas quoi. Populaire, là. Il classe moyenne, pauvre, en fait. Ouais. Ils vont dire populaire. C'est ça, ouais. Mais toi, tu te considères comme quoi? Comme populaire ou moyenne? Honnêtement, au-dessus. Pourquoi? Parce que je sais que, par exemple, je sais que le salaire que j'ai, enfin qu'on a, il est au-dessus de la moyenne des Français. C'est vrai. Il a augmenté, il me semble, là, depuis quelques mois. Là, il a, depuis le début de l'année, il a augmenté. Non, c'est pas le SMIC, je te parle du salaire moyen des Français. Le salaire moyen des Français, il a augmenté de quelques euros. Mais nous, à la RATP, on est au-dessus. Donc c'est pour ça que je pourrais pas me dire que je suis en classe. Comme on a RATP, on est bien par rapport aux autres. C'est pour ça que je te dis pas que c'est le meilleur taf, hein, la meilleure boîte. Mais quand on entend les collègues, comment ils en parlent. Tu regardes l'ensemble général des autres métiers. Tu sais que je vais ouvrir, je suis obligé. Non, moi je suis obligé. T'es pas obligé, en vrai. Ils sont habitués, les gens ici. Et ouais, donc pour moi, je dirais pas que je suis un. Ouais, t'es pas dans la classe populaire. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils en parlent comme ça, mais ils sont toujours là, les collègues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais. Écoute. Comme on dit, il faut toujours remercier ce qu'on a, tu vois, c'est toujours... Moi je te dis, on est au-dessus. C'est comme les repos, hein. C'est vrai. Mais on est encore au-dessus par rapport à la moyenne des Français. Hein. Ouais. Pareil en termes de temps de conduite, de temps de travail. C'est vrai, on est moins... Ah, j'en connais ici, c'est pas basique de... Enfin... Avant la ligne, elle allait tout droit. Ouais, j'ai fait peur à vous. Non, en fait, je pense que t'allais gérer. Mais t'as vu, avant cette ligne-là, ouais. L153, ils allaient tout droit. On rentrait dans le centre-ville. T'as vu quand je t'ai parlé de l'histoire de la bande qui s'ouvre pour que tu puisses rentrer? Ouais. T'as vu tout droit, il y avait la voiture blanche qui attend pour que c'était la bande. Vraiment, on rentrait là-bas. C'est vrai, maintenant. Mais t'as vu, la voiture, elle a reculé. Tu vois les deux bornes jaunes là, avec le feu rouge. Avant, on avait une petite zapette ici là. C'est qui rentre par là-bas? C'est. Avant c'était 153 et 253, les deux là. Celle-là est 153. Et ils ont changé l'itinéraire. Je crois qu'il y a un feu qui va tout droit là. Ouais. Ils ont changé l'itinéraire. Et quand il marchait, avant il était là-dedans. Les gens ils sont paniqués parce que t'es arrivé, le tram il va partir. Non mais avant quand tu rentrais là-dedans et tu ressortais à Porte de Paris, tu vois, regarde. Juste dans mon intérêt parce que je suis pressé. Hein. En plus il y a une dame qui veut monter. Il fait la star aussi, elle aussi. Là. Bonjour. T'as vu pour tout à l'heure pour monter, elle la meuf en mode. Hein, elle a tenu comment elle était, elle a fait. Ouais. Vous ouvrez s'il vous plaît.
Bonhomme, il est vert, je sais pas lire. Ah, maintenant il est rouge. Non, là, là, t'as. Regarde. Oh, c'est quelle starlette. Oh, il est mal, la petite. Tu veux être des bacs à sable. Toi, t'es dur. Ils rendent fous, les gens. Bon, à partir de là, ça va être la merde. Ah ouais, bon, je pense. Les mecs, accrochez-vous dans les. S'il n'y a pas de 2.55 qui est passé, à partir de là, ça va être parce que la moitié de la. Il y a encore le marché, tu sais comment je le sais? Ouais. Parce que toutes les voitures qui sont là, elles vont se garer dans le parking pour aller au marché. Le marché à la base, c'est pas. Bah non, je suis sûr qu'il continue. Regarde, t'as vu toutes les voitures qui sont là? Regarde, ouais, je sais. Ils vont au marché. Parce qu'à la base, c'est pour Carrefour, mais Carrefour, il est fermé là, ce temps-là. Donc à mon avis, c'est pour le marché. Donc il y a moyen que c'est y a un peu de monde là-bas. De toute façon, là, je crois que la moitié de la population qui regardait la vidéo, ils sont déjà partis, comme d'habitude. Ah, tu regardes pas la vidéo en entier ? Il y a beaucoup qui regardent pendant, c'est trop long pour certains. Ça va vite, les extraits, ils se barrent. Ah, ok. Là, pour ceux qui sont restés encore là, vous avez peut-être bien fait de rester, parce que regardez comment c'est la merde. Regarde, tu vois, je t'ai dit quoi ? Voilà. Vas-y, vas-y, tonton. Lui, c'est fou. Vas-y, même pas, merci. Comment il dévisage. Mais lui, c'est même pas un tonton, frère. Ça se tu veux le gifler. Tête de ma mère, une grosse part dans sa gueule. Ah, il y a un 255 qui est passé devant. Donc c'est bon que t'as pris la charge. Ouais. Non, après, on fait pas le même chemin, donc... Mais lui, pourquoi il s'est garé là, lui? T'aurais pu virer, en vrai. Regarde que ça pousse avec une skin, comment bah, mais regarde la voiture, tu sais comment. En plus, lui, il s'est bien mis à l'arrêt, en plus, il est dans sa voiture. Moi, je verrais il est dedans, hein. Tu vas dégager. On va plus le dégager en vrai. Ouais, mais vas-y, j'ai la flemme. Si c'est la jungle ici. Un jour, je me suis embrouillé avec un gars comme ça là. T'as capté? Il me fait un ouais, non, je sais pas quoi. Alors, regarde après. Ils aiment bien faire ça. Regarde après. T'as vu ou pas? C'est un petit salaud. Ouais. Mais quel petit salaud? C'est un petit. Demi-tour, comment il va faire avec ton compte? Regarde. Ouais, non, il va se garer. Ah, mais c'est trop tard maintenant, j'ai fait l'arrêt. Il a compris. Il peut se foutre la merde. Ah, il gens comme ça, je te jure. Il aurait pu le faire depuis. Hein. Non mais le temps que ça monte dans son cerveau, t'as vu? Elle te regarde, ça veut dire qu'elle veut le bus. Le temps que ça monte dans son cerveau, c'est trop lent. Ben, ça, t'as vu mon pote qu'on regarde? Ah bah je m'en fous, ça fait passer dans le casse. Prends quoi toi? Et t'as vu, je te disais, regarde, tu vois ce qui fout la merde au bout là-bas? C'est le marché. Je comprends tout à l'heure. Et tout à l'heure, je crois passer par là tout à l'heure. Oui, c'est ce que tu m'as dit. J'ai fait pion. T'as raison. Il m'a dit de dévier. Mais c'est un bon le régulant. Ah, c'est un bon. Hein. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et regarde, t'as vu, j'étais en avance de fou tout à l'heure. Ouais. Je dois être à 50 au marché de Saint-Denis, regarde. Il est 45. Bah, ça va là. Le 5 minutes. Quoi? En 5 minutes, je crois que je vais faire ça là. Tu vas voir. Putain, c'est le bordel. Ah non, là, c'est mort. Je te dis, c'est à cause du marché. En fait, tu dis, j'aime bien ça. Mais en fait. Et toi, t'aimes ça, toi? Non, je t'explique, j'aime pas trop ça parce que regarde, ça, c'est les trucs. Ah, tu vas avancer. C'est les trucs qu'il faut couper en fait, en vrai. En fait, c'est bien quand ça bouche un petit peu, il y a des petits trucs vite fait, mais quand c'est comme ça, là, tu coupes là. Je pense que tu vas pas trop charger. Hein. Bah, il y a le 255 qui. Il y a beaucoup d'agents qui sont devant depuis tout à l'heure. Là. Je sais pas ce qui se passe. Bah, toi aussi, t'es là. Lui, c'est un MRE, lui. Il est en AF. Il va avoir le truc, il va râler. Je sais pas. Tu veux passer? Vas-y, passe. Passe. Il commence à paniquer son AF, là, ou son MRE. Regarde, c'est le MRE qui dit le truc. J'ai entendu dire. C'est le MRE, lui, a dit vas-y, passe. Vas-y, passe. Lui, il a peur, lui. Il a dit si je cartonne, c'est MRE qui va te passer. Mais bon, c'est toi qui es au volant, lui, là. Ça te dit pas de faire MRE? Si, pourquoi pas. Ou AF, non, toi, non AF, non. Ah ouais? Moi, je vais être au volant. Toi, tu vas pas prendre des décisions de MRE, j'aimerais bien, ouais. Mais c'est pas un truc de fou, c'est un petit truc en plus, quoi, tu vois. Ouais. Puis si je peux laisser léguer mon. Non, mais après, c'est vrai parce que quand tu fais rouler un de tes élèves et qu'il cartonne trop, c'est chaud pour toi aussi C'est ça le truc. Et tu peux te dire, ah, mais c'est bien, je fais conduire, c'est pas mon élève, je me pose tranquille, téléphone. En fait, non, faut quand même être sur le qui-vive, tu vois, parce que sinon. À chaque fois, ils sont pas dans des poubelles là. Ouais, j'avoue. Il y a une plaque d'égout là, je sais pas. Les vidéos TikTok, t'as vu quand ils disent les pires lignes de bus et après ils disent là, c'est une odeur nauséabonde dans le terrain. Ouais. C'est ça, mais je sais pas pourquoi ils disent ça. C'est la voix qui est marrante. Ouais, la voix, voilà. Je sais pas d'où ils la prennent la voix. Je sais pas. Non, en vrai, ça a l'air de se décanter en fait. Mais c'est pas fini après là-bas. Ah ouais? Mais non. Parce que moi, je peux. Putain, de fou mon frère, faut tout leur dire. Je t'ai dit, faut tout leur apprendre à ces gens. Si tu fais rien, tu vas jamais bouger. C'est à toi de les gonguer, c'est à toi de les actionner, c'est à toi de tout faire. Après en vrai, tu t'en fous parce que ça avance pas trop devant. Ouais, bref. Mais même, c'est juste temps de dégager ouais, de là-bas. Dégager, laissez faire. Dégager de là-bas. Mais ça, c'est parce qu'ils sont sur leur téléphone. Bah hein. Oui, c'est toujours la même chose. Hein. Regarde comment ils roulent pas droit. Exactement, quand tu vois comme ça, tu sais que c'est le téléphone. Tu sais que c'est le téléphone, tu vois. Ah, le fameux téléphone, il va nous tuer. Hein. Tu sais que moi le téléphone au volant, j'ai pas cette habitude de le faire. Ouais.
je peux toujours. Dans ma voiture perso, je parle. Il y en a, c'est une maladie, hein, carrément. Moi, j'ai, tout le temps, moi carrément, des fois, ça m'arrive, je sors de chez moi, j'oublie mon téléphone. Parce que bah même des fois moi je l'oublie, des fois il y a des gens qui me disent monsieur à la salle de sport par exemple. Ah ouais? Tu sais parce que moi j'aime pas mettre ça dans la poche, il est grand. T'as quoi, t'as une petite Moi je le mets dans un petit, des fois ça me gêne. Donc je vais mettre dans côté des machines comme ça et tout. Uh-huh. Après il y a une dame qui me dit monsieur c'est pas votre téléphone. Ah ouais. Mais c'est, je me dis que c'est pas ma priorité, je pense. Faut se dire que c'est bien. Moi des fois quand je l'oublie chez moi et je repars chez moi pour le chercher, je me dis c'est bien. Parce que si je l'oublie, ça prouve que je suis pas addict. Je suis pas addict, ouais, c'est ça. Il y en a, c'est impossible qu'ils oublient leur téléphone. Ouais, c'est tu vois le monde qu'il y a là-bas qui traverse. Ça c'est pour toi. Non, ça c'est le tramway, il y a le T1, T5, il y a les bus. Le T1 il est pas très régulier là, après on est dimanche peut-être. Le T1 c'est... Parce que là, il y en a un qui est passé mais... Regarde le monde qu'il y a à l'arrêt du T1, wesh. Hein? Regarde le monde qu'il y a à l'arrêt du T1. Ouais, non, c'est un délire. C'est un truc de ouf, hein. Et Théma, comme les gens ils arrêtent pas de traverser, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. T'arrives pas à passer, regarde. Ouais, parce que ça s'arrête pas. Après, il faut. Et dans, moi j'étais dans l'autre sens. Après il faut un peu s'imposer aussi. Il y a que le tram, les gens ils ont peur. Regarde, là il y a un train qui arrive. Là il y a un train qui arrive. Mais s'il y a une voiture qui passe au milieu, ils sont morts. Quelle idée de faire des cons. En plus les feuilles fonctionnent pas. C'est pour ça aussi. Quelle idée. Après tu me dis, alors après tu me diras, t'as vu ici là. Ouais. Bonhomme vert, bonhomme rouge, ils connaissent pas les gens. Ah c'est ça. Ah ils connaissent pas, ils en ont rien. Au final vaut mieux que ça fonctionne pas. C'est ça. Bah après regarde, les gens ils respectent pas. Lui, le Théolis il va te dire bonjour ou pas. Moi je l'ai même pas vu, tu vois. Je savais même pas qu'Evlis il passait par là. Et tu sais c'est quoi le problème ici? Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, il y a marqué sans interdit devant. Ouais. Les voitures, elles doivent faire le tour du marché si elles veulent, si elles veulent continuer. Toi tu vas aller tout droit dans tous les cas. Moi je, à la base c'est comme une voie de bus on va dire. Tu vas charger un petit peu. Parce que regarde, les 2-5, je vois des gens qui bougent pas de l'arrêt et le truc il est là. Et t'as vu, regarde, les gens ils respectent pas. Ouais. Regarde, ils prennent tous le sens interdit. Et toi comme d'hab, regarde, il y a la municipale juste à droite. Elle est où? Oui, là où il y a le T5. Ah, là où il y a le tram ouais, là-bas. Ouais, parce qu'ils sont là, okay. Et t'as vu, eux ils les allument pas. Ils s'en tapent. Enfin, ça va être ça la miniature, faut que les deux trams soient en même temps, tu vois, comme ça. Ah, c'est stylé ici, hein. Faudrait que t'aies lui il avance. C'est un gros. Si, ici c'est un gros nœud entre guillemets, tu vois. Voilà. T'as raison, attends, toi tu l'as pris là tout à l'heure, non? Ah non, attends, tu l'as pas pris là. De quoi? Non, toi t'as pris quel tram? Toi, tu m'as dit j'ai pris un tram. Non, j'ai pris le métro, moi. Pour aller plus vite. C'est le métro, tu m'as dit qu'il voulait pas attendre les portes, ça, non? Ouais. C'est quelle ligne? 13? Ouais, la ligne 13 à l'université, j'avais pris là-bas. Ah ouais. T'es mal, le monde qu'il y a, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment l'Afrique, quoi. Mais c'est ça. C'est l'Afrique. Je dis, Saint-Denis, c'est. C'est animé. Eh, Saint-Denis, 152 nationalités dans la ville. Ils veulent faire quoi les amis? Ils veulent aller où? Je crois qu'ils veulent continuer mais ils peuvent pas, il y a le tram. Mais t'es mal, le tram il peut même pas partir frérot. Les deux. Même le T5 il est blindé. Oh là 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 là. C'est un bordel. Allez-y parce que sinon de toute façon. Et le keuf il pète sa tête. Il aurait dû être devant ton bus. Le tram il arrive même pas à partir. Il arrive même pas à partir, c'est un truc de fou. Je t'ai dit les jours de marché ici c'est une catastrophe. T'es mal le monde. Et regarde les gens, que des caddies, des poussettes, regarde. Ouais, c'est un délire. Regarde les bananes, tout ça, là, les pommes de terre et tout là. Et c'est trop ici le monde. Et tu vois le marché maintenant ils l'ont mis là. Mais eux pourquoi ils passent ça, ils ont le droit? Ils ont déjà le panneau. Mais ils ont pas le droit de passer là les T'as vu mais regarde, ils disent rien. Eux ils doivent faire le tour normalement. Tu vois. Mais tu vois la police. C'est ce que je te disais tout à l'heure ou dans l'autre vidéo. Les gens, la police ne dit jamais rien à eux, c'est que à nous. Nous si on fait une erreur. S'il y a des caméras, il n'y a rien ici non? Il n'y a rien, regarde, les agents ils sont là. Pourquoi ils les verbalisent pas? Ils peuvent noter à distance peut-être. Hein. Ouais, les gens qui font ça, c'est des habitués. Les gens qui font ça, c'est des habitués. Voilà, si je fais pas ça, tu vois. Ah ouais, tu charges ma gueule. Regarde ta copine avec son titi. Ça c'est pour moi tout ça. Oh putain. C'est pour moi le 2-5 qui vient de passer. Oïe, 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 ça m'arrange pas là. Arrête de mentir, non, arrête de... ça. Et regarde l'arrêt d'en face où j'étais tout à l'heure. Parce que là, regarde. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vénère parce qu'en plus, tu peux me voir. C'est là tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai pété les plombs. J'ai tourné comme des pistes. Ah ouais. Je crois que le régulier t'a prévenu qu'on t'a arrivé là. Bonjour, madame. Bonjour, est-ce que vous partez à la Courneuve? Aubervilliers? Oui. Maintenant, toi, Aubervilliers, ça, c'est le RRB qui est là-bas. Ouais, RRB. Dis hein, que des caddies de plus. Mais ça, tu cherches pas trop. Hein. Non, ça va. Attends, ouais, ce qu'il y a à l'arrêt, ça va revenir entre temps. C'est vrai, il y a tous les gens qui vont courir. Là, je vois derrière, ça court. Ah ouais. Bonjour. Ah, ça, c'est pour toi, ça. Bonjour. 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 Ça va, tu t'es pas demandé. Ah ouais, ça va. Bah, attends, c'est pas fini. Attends, tu crois que. Ouais, t'as une poussette. Oh là là. Allez-y derrière. Les carottes, les tomates, tout ça là. Ça va bien manger ce soir. Ah frère, ça va bien manger.
Non, non, il y a pas, il y a toujours, il y a pas des mamas qui donnent des petits trucs là. Ah, c'est vrai, moi je suis plus personne. Non, il y a plus personne. Non, mais en vrai ça va, c'est pas catastrophique. Hein. C'est pas genre une fille qui vient jusqu'à là, tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme c'était, si je m'arrête comme ça, tu vois, les gens vont profiter. Non, mais les gens vont profiter pour passer. Ah ouais. Pour vouloir monter. Pour vouloir monter. Ah, c'est ça que j'aime pas aussi. Ça m'énerve ça. Allez, vas-y. Ouais, parce que j'avoue, même moi, je suis comme toi, j'aime pas ça. D'ailleurs, j'étais là-bas dans la merde. Oui, il est comme ça, wesh. En fait, il nous a guettés, hein. Il a vu qu'on a rigolé. Il était comme ça. Je sais pas. Ah, quand j'ai fait ça, il croyait que je parlais de lui en fait au moment là. Ah, ouais, je t'ai dit, wesh, il voulait t'embrouiller, on dirait. Ah non, je suis mort. Il a fait être sûr que. Ouais. Mal à faire dans l'autre sens, putain. Ah, je l'ai plein. En fait, peut-être le retour, ça va se fréquenter. Hein. Mais je sais pas si encore le marché au retour. Tu me le sur la dernière si, si, ouais, regarde. C'est quoi, si le marché, c'est comment, marché de Saint-Denis? Marché de Saint-Denis. S'il y a le retour, ouais, ça va être encore pire que ce qu'il y a eu tout à l'heure. Là, là, c'est là, ça veut ah, bah oui. La plupart des gens, ils prennent ce bus du marché pour retourner de l'autre côté. Pas pour aller vers. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Jamais passé. Tu vas à gauche, là? Ouais. Regarde. Les voitures bloquent le tram. Qui du coup bloque le tram, bloque les voitures. Ouais, bah en fait personne ne le sait. C'est un cercle vicieux. Ouais, voilà, regarde. C'est un délire. Mais en fait, y a t'as vu, et quand tu vois ça, est-ce que tu dis on a un dimanche? On dirait pas. On dirait pas. Tu dis ici, il n'y a pas de jour de. Non, tu vois, c'est 13h30, il finit. Ah ouais? Bah, t'as le bien marché vu, là, se déroule le mardi, le vendredi et le dimanche matin de 7h30 à 13h30. À 13h30? Ouais, bah, t'as bien vu, il y avait encore. Ouais, mais le temps. Tu ils ont rien remballé encore. En fait, ils disent 13h30, mais tu connais, ils vont toujours à la dernière minute. Ah bah, au retour, il n'y aura plus alors. Non, c'est que si le feu il est vert et que je m'engage, je vais bloquer après moi aussi. Tu vas foutre la merde. Bon, c'est-à-dire, sur le moment, je m'engage pas là, si le feu il passe vert là. Là, il faut attendre un petit peu. Il faut que ça se décante là-bas aussi. Ouais, mais ça va jamais se décamper. C'est-à-dire, toi, tu vas bloquer eux et eux. Après, ils sont pas après, tu peux les laisser passer. Ouais, eux, ils sont pas beaux, ils sont deux. Bah oui, je vais. Mais le problème, c'est que eux, il va pas. Ah ouais, ça s'énerve ici. Hein. En vrai, là, tu peux. Ouais, tu peux tourner, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, tu vas faire un peu la merde, je pense. Bah, les coups, là, c'est bon. Non, c'est ça, c'est que tu laisses, après, il y en a d'autres qui vont venir. C'est ça, c'est ça. C'est ça, t'as fait compris. Voilà. Non, regarde, c'est bon, ça va avancer, regarde, ils vont à droite. Toi, tu vas à toi, tu vas. Ah, tu vas. Moi, est-ce que tu vas réussir à avoir moi, je pourrais pas avec la clé, je pourrais pas. Tu passes pas? Si, non, tu joues pas. Mais bon, ta faute, tu joues. J'ai encore la roue avant qui est au niveau de lui. Ah, ouais, j'avoue, c'est chaud. Regardez. En fait, c'est ces trucs aussi, hein. Regarde, les poteaux. Ah, c'est bon, ils vont avancer. Voilà, c'est carré. Il a compris. Il faut qu'elle avance bien. Mais quoi, Non, c'est bon, ça passe. Là, je peux balayer en plus. Ouais, juste laisser un peu d'espace. Ouais, t'as vu, les poteaux, ils les ont reculés. Ils font chier avec leurs poteaux, là. Et lui, il s'en fout. Allez, on avance. Là, ça rend fou la circulation en terre. Bah là, t'es dans le centre-ville là, de Saint-Denis. Là, c'est quoi ça, la basilique? Non, ça, c'est l'église. Là. Bah, basilique, c'est de l'autre côté. Ah, ouais. On est quand même dans le centre-ville de Saint-Denis, tu vois. Donc, Mais ça va, quand t'as raison, cette partie-là, je charge un peu moins, quand même. Après, là-bas, je pense à Porte de Paris, il peut y avoir du monde aussi. Tu penses? Ouais, parce que les gens qui vont vers Franc-Moisin, tout ça, là. Ouais, on a pas trop fait les francs, la tête qu'il avait. On a pas fait encore les francs moins. Pour moi, c'est vers la fin de la ligne, c'est avant les 4000. Mais bon, les 4000, on y va pas parce qu'il y a une déviation. Ah ouais, il y a trop de déviation dans cette ligne là. En fait, c'est un... Ah, regarde comment il colle. Ouais. Avec son bébé dans les. Ouais, regarde ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, les potes, les focus sur le téléphone. T'es obligé de tout leur dire, c'est ouf. C'est fatigant quand même. Franchement, à la fin, c'est fatigant. Ouais. Parce que si tu les touches, c'est toi qui vas prendre dans la gueule. Ouais, ça me tue les gens qui disent RATP, vous êtes payé pour. C'est quoi, reste assis, t'es payé? Ouais, t'es payé à conduire un bus, c'est vite, c'est facile. C'est facile. Non, non. Ces gens-là, il faut leur inviter à conduire, ils tiendraient même pas, je crois, une heure. Regarde, il va où lui? Il va se garer. Ouais, il a de la chance. Oh, hein. Ça devrait aller vite. Ouais, ça va, il gère. Voilà, tac, là, on braque, bam, bam, carré. Il a un peu peur, on dirait, de reculer. Je sais pas si elle a le radar de recul derrière ce truc-là. C'est 208 là, je sais pas. C'est l'avant-dernière, c'est juste avant, c'est l'avant-dernière. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même le. Je pense qu'il y a moyen. En plus, ça se voit, il va te saluer là d'office. Bon, bah, le
le feu, je l'aurai pas. Une guette comme ça, là. Parce que t'es mignon. Je suis un Renault mignon. Bah écoute, faut croire que oui. Hein. Ah ouais. Bonjour. Putain, je l'ai pas eu, là. Ah mon gars, c'est ça. J'étais presque. J'ai vu le crâne normal. Hein. Tu ne le vois pas, je pense. Il y en a un autre côté. Ah ouais? Ah ouais, non, ils sont mal les steaks. Ah, les gens, ils s'en foutent. Hein. Lui, il est pas verbalisé comme par hasard. Et ouais, c'est que la RATP. Voilà, malheureusement. J'aimerais trop qu'il y ait des agents de police qui regardent la vidéo, je trouve les vidéos comme ça. Mais tu sais, imagine, ça, ils voient, tu imagine, vois. Ils regardent et ils verbalisent en même temps, t'imagines? Ce serait pas un truc de fou? J'aimerais trop, moi, comme ça, ils voient que c'est abusé. Ah ouais, abusé. Regarde lui, là, t'as vu, ce feu-là, il est décalé. Ouais. Le bus, il passe vers avant. Comment tu parles que la bécane, elle va passer avant moi? Parce que lui, il va se dire. Non, mais il voit le feu, là, regarde, il voit. Mais le feu, bus, il va passer vers avant. Vas-y, on fait un test. Moi, je suis sûr, regarde. Là, je t'ai dit, putain, t'es bon quand même, il a voulu. Il s'est mangé une crampe, il a vu. Ouais, mais t'as raison. T'as vu, les gens, ils te regardent, ils regardent pas le feu, ils te regardent toi. C'est des suiveurs, les gens. C'est des suiveurs, exactement. Donc des moutons, j'ai envie de dire. Pourtant, il en a un deuxième à gauche. Il aurait dû. Je sais pas, tu vois. Ça veut dire qu'il a juste vu le bus avancer et il s'est dit, ah bah c'est vert, j'avance. Il a même pas regardé le feu. Ouais, c'est vrai. Ah là là. Là, en direct là. La preuve en vidéo. Ah, en vidéo. J'espère juste qu'elle va pas bugger celle-là. Ah, le son là, fais gaffe. Hein. Ah putain. Et t'as vu, là on croise un autre tramway encore, le T8. Ouais. Là, ça commence déjà à courir pour toi. Bon, ça va. Ici, y'a personne, ils sont. Y'a pas grand monde. T8, lui va te saluer, je pense. Ouais, c'est un bon. Bon. Ça va, les mecs du tram en général, ils saluent. Non, le pire, c'est le T1. Ils saluent pas? Le T1, ils saluent rien du tout en général. Le T8 ça va encore. Ils sont civilisés. Ouais, ça va. T8 il va de où hein? Il va de Saint-Denis. C'est lui qui a couru, on dirait qu'il voulait vous te pas finalement. Il va de Saint-Denis à. En guerre les bancs? Non, à. À comment ça s'appelle? Saint-Denis par là. Après c'est Vitaneuse. Ouais. Et il y a une autre branche, Épinay. En fait il y a deux branches. Ah ouais. Il est long alors? Non, elle est courte. Les trains ils sont pas très longs hein, à part le T1. À part le T1. Et t'as T3B, ça y est, il est ouvert. Hein. C'est-à-dire? Bah, la branche porte de Dauphine, ça y est. Ouais, ça y est, j'ai vu. T'as vu? Elle est longue maintenant, la T3B. Hein. Oui, putain, parce que porte de Vincennes jusqu'à porte Dauphine, ça fait un bout. Ça va faire un bout. Ah ouais. C'est-à-dire que les mecs du T3B vont plus travailler que les mecs du T3. Bah, ouais. T3, comme c'était long aussi. Ouais, mais c'est pas plus long que T3B. Hein. Mais attention, T3, ils sont quand même mieux dans la zone. Ah oui, leur zone est largement mieux. 13e, 14e, 15e. Ah oui, c'est bien. C'est beau gosse, là. Et l'idéal, ce serait qu'ils fassent la boucle. Du T3. Bah, apparemment ils veulent la faire mais ça bloque au niveau du 16e. C'est le 16e qui veut pas. Regarde, elle a même pas fait signe, si tu veux je m'arrête même pas. Avec sa cigarette là. T'as un arrêt? Non mais personne demande l'arrêt, mais elle veut monter. Il y a une dame qui voulait monter. Mais elle veut pas, je crois. Bah je sais pas, elle lève pas la main donc mais bon comme c'est rouge on va attendre. Ouais elle arrive comme une starlette. C'est abusé là, c'est... Moi je me serais même pas arrêté là. Je suis gentil moi. Moi ça me sidère les gens comme ça. Moi ça me sidère. Comment tu peux être élevé mentalement, humainement comme ça? Je sais pas. Là on a des grosses preuves quand même, c'est ça qui est bien. C'est grave quand même. Ouais. Peut-être c'est une maladie. Hein. Ouais, peut-être qu'il sait. Hein. C'est trop. Comment tu peux être humainement comme ça? Et le délire c'est quoi? C'est de pas foutre, de pas rentrer là-dedans. Dans ce jeu-là. D'être aigri comme ça, tu t'as vois. Beaucoup de collègues sur aigris. Exactement, t'as beaucoup de collègues. C'est les gens qui ont rentré. Bon, on me l'a dit moi quand je suis rentré à RATP, on m'a dit ouais. Tu pourquoi t'es comme ça? Tu verras avec le métier, nanana. Tu verras, ouais. Et j'ai déjà failli hein. Mais t'as vu moi à côté, je suis relativiste, faut faire de l'activité physique, faut bouger, faut faire quelque chose. Parce que la plupart ils font pas d'activité physique aussi les collègues. Rien. Là tu vois, ils s'appuient sur leur sol et que voilà. La plupart, tu vois, ils sont pas réactifs. Comme la collègue là hier. Là. Ouais. C'est abusé, wesh. Et quoi, c'est-à-dire par rapport à quoi? Mais t'as vu, elle, je lui ai dit, t'as vu, quand je suis parti avant de partir, j'ai dit, te laisse pas. Ah ouais, t'as. Même si t'es vénère, rentre tranquille. Ouais, rentre pas. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle est rentrée dans son délire. Je sais pas. Elle a dit, ouais, Nita. Bon, je vais pas. Voilà. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de péter les plombs en volant vite fait, comme ça, en une fraction de seconde. Mais après ça passe, après je rigole. Voilà, tu passes à autre chose, tranquille, tu vois. Elle, c'est genre, ça c'est des gens en mode je reste comme ça jusqu'à. Non, ouais, j'ai. Mais c'est pas bon ça. C'est pas bon.
Après, ça a des répercussions sur ton corps. Ouais. Carrément, je voulais lui dire. Vas-y, tu lui as dit un petit peu. Non, mais je voulais lui dire carrément, mais en fait, pourquoi t'as été venu ici en fait? Change de taf en fait, en vrai. Alors après, tu voulais pas envenimer les choses. Mais je voulais pas envenimer les choses, tu vois. Tu sentais que. Moi, des fois, t'as vu des voyageurs comme ça, comme depuis tout à l'heure, ça me casse les couilles. Non, de là à dire, vas-y, c'est un métier de merde. Non. Il y a des gens, ils sont adorables aussi, tu vois. Mais comme je te l'ai dit dans la vidéo du 2-6-8, les gens, ils font pas se mettre à leur niveau. C'est comme ça, c'était un perdant en fait. Exactement. Pourquoi se mettre à leur niveau? Toi, t'es plus intelligent que moi. Mais t'as vu le mec hier, le Renoir là? Ouais. Avec la collègue, t'as vu comment il avait le sourire jaune, tu sais, sourire au coin de la bouche, genre en mode. Le collègue. Ah, le Renoir, je veux dire là. Avec la collègue là. Quand? Hier? Avec la collègue là. Avec la cravate. Non, le Renoir, c'est pas un collègue, le Renoir qui a embrouillé la collègue là. Ah oui, oui. T'as vu comment il avait le sourire. T'as vu comment il avait le sourire en mode, il a nargué. Et elle, plus elle s'énervait, et plus lui, ça l'excitait en vrai. Ouais, voilà, il aimait bien. Ah mais y'a pas de soucis hein, moi j'ai pas besoin de toi hein, ça la rendait ouf encore de plus en plus. Moi c'est ce genre de personne, moi il pourrait pas m'avoir comme faut ça. Pas rentrer dans son jeu. Ouais. Moi il pourrait pas m'avoir parce que moi je serais pas encore dans son jeu comme ça. Mais tu vois? Parce que en fait c'est comme ça qu'il faut être avec les gens. Quand les gens sont énervés, tu rigoles un peu. Mais c'est que ça marche, parce que c'est souvent tendance à énerver les gens ça. Ouais, ça énerve. Quand en gros c'est un manque pourri, ils se disent c'est un vrai manque de respect, ouais. Ils se foutent de ma gueule en fait. C'est ça. T'as raison, et moi je suis comme ça quand j'ai des embûches, je suis un peu comme le mec, le Renoir. Non, moi des fois je m'énerve, moi des fois je comprends pas. Moi, des fois il faut leur montrer que hey, arrête de croire parce que je suis volant du bus, ça veut dire que tu vas me manquer de respect. Tu vois ce que je veux dire? Pas tout le temps, mais de temps en temps, moi ça m'est déjà arrivé comme ça. Y a plus, là à ce moment-là, il n'y a plus des RATP là. Tu me respectes, je te respecte. Dès que tu deviens bizarre, t'inquiète pas. Des fois ils se disent, quand t'as la tenue, ils se disent, vas-y, le mec, il a rien. Voilà, mais moi je suis pas comme ça. Dès que tu deviens bizarre, t'inquiète pas, je deviendrai bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'ai des cloques aux mains à cause des haltères, c'est horrible. C'est ça que moi je mets des gants. Ah, moi les gants ça me gêne. Ah, mais ouais, ça commence moi, à partir. Moi ça me fait des gants. Mais non, tu vois, ça part pas quand même. Hein. Ça, non, bah si tu t'entraînes tout le temps. Non, mais malgré que je mets des gants hein, maintenant. Mais après, regarde, peut-être les gants ils sont pas efficaces. Ils sont pas efficaces. Hein. Mais moi ça me gêne, ça fait des. Mais avant je m'entraînais pas, regarde, ça reste. Hein. Non, mais avant quand je faisais pas de muscu, quand je. Avant je me la défonçais vraiment. Hein. Attends, tu veux dire, t'en avais même quand tu faisais pas de sport? Non, c'est le sport qui m'a rendu comme ça. Avant, je mettais pas de gants, donc du coup, moi, je poussais beaucoup. Mec, ça va me venir, tu même pas. Calculé ? Ah ouais. Non, moi, je sais pas, moi, ça commence à me gêner. Même avec mes bagues, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Là, je m'imagine en train de caresser une petite, là, tu vois. Ah, bon, ça accroche, t'as vu ? Là, je m'imagine, là, regarde. Viens la chérie. Ça accroche. Elle va dire, mon petit chéri, là, tes mains ne sont pas douces. Hein. Non, mais j'aime ça, ça montre que c'est des mains de bonhomme, t'as capté ? Mais bon, moi ça, visuellement ça me gêne. Non, mais quand tu caresses le dos, le côté, tout ça. T'es mal, je suis en train d'arracher des morceaux de. Mais ça reste ça. Ça non, reste non, ça reste à. À ça... vie, hein. Ah bah ouais. Parce que là, je te dis, moi je mets des trucs, mais ça. C'est des pires que ça. Hein. Toi, depuis tout à l'heure, t'as toujours des gars, ils dorment. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Ça, c'est le téléphone, je pense. Je sais, mais là, c'est le téléphone, ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est un téléphone. Tu repasses par là. C'est quelle ligne qu'on avait fait? C'était quoi? 153. 153, ouais. Là on est presque arrivé. Ah, ça comme elle tient longtemps sa main. Ouais, elle est restée 30 secondes comme ça. Ouais, c'est bien. Mais j'aime bien, ouais, même moi je préfère. Alors, en plus, t'es la seule ligne ici, non? Ouais. En plus. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît. Oui. Pas de... Il veut descendre? Oui. Mais si vous savez, il oublie. Ah mais il demande pas là. Mais t'as vu Lou, je l'ai pas mis un coup de pression comme hier en mode dur là. Après des fois c'est les tontons, même moi des fois quand elle donne je lui ouvre parce que je me dis vas-y. Moi des fois je leur dis, quand tu prends un transport, bus, tramway, métro, machin, sois attentif à ton trajet. C'est tout. Mais là tranquille, vas-y, c'est pas grave. Des fois tu laisses couler toi. Ouais des fois on laisse couler, faut pas être grain. Sinon après tu deviens aigri. C'est ça. C'est grincheux. Tu vois. Ouais, de temps en temps, vas-y, bon c'est pas grave, vas-y. C'est sur la côte dans le bus. Faut être indulgent, tu vois. C'est juste que des fois j'ai l'impression que c'est trop, tu vois. Ouais, alors un petit rappel, hein. Voilà. Ah, faut pas que j'oublie, il y a la dev aussi des 4000 là. Elle est pas encore arrivée là? Non. Et ça reste encore beaucoup là? Non, pas très loin encore. Parce qu'on dirait que ça avance pas loin de là, on est pas loin de la Courneuve, on dirait. Ouais, on est pas loin de la Courneuve, bah là on est encore à Saint-Denis, mais bah, Saint-Denis et la Courneuve c'est collé ça. Comment Saint-Denis en vrai? Saint-Denis c'est grand, mais Saint-Denis c'est grand. Vas-y, regarde. Mais laisse-le, c'est pas grave, je vais le faire reculer. Voilà. Vraiment, ils sont vraiment bouillonnés. Moi je suis un bus. Ouais, ça va, il va. Ils disent c'est un bus, je sais pas, ils comprennent pas que ça tombe pas, comme une voiture. Ouais, je sais pas. T'es
des matchs censés être déjà bientôt arrivés à la gare de la Courneuve. T'es en retard là. Ouais. Donc c'est un départ, c'est serré le départ. Non, mais je partirai pas à l'heure, il est fou quoi lui. T'as vu la longueur de la ligne. Bon bah s'il te plaît, le 84ème, tu me feras un départ imminent. Et t'as pas ton mot à dire. Je fais pas ça. Sinon je te mets un rapport. Ah bon, alors là mon pote. Déjà je dois laisser passer le collègue là déjà qui arrive. Ah vous passez pas à deux ici, c'est chaud. Hein. Ça va. Ça ouais. Passe mais vas-y. C'est mieux ce. Ouais c'est, ouais. Je sais pas qui j'ai affaire en face, t'as vu. Si c'était moi t'aurais tout ça. Si c'est toi, moi je passe. Après je comprends ce que tu veux dire parce que les camionnettes tout ça en fait. Ouais. Et les rétros tout ça. Après si tu sers bien. T'as vu, lui il peut serrer tout à droite parce que son rétro il touche rien. Ouais, mais lui il s'est dit comme tu le laisses passer donc il prend un peu son. C'est ça. Je pense que c'est une femme. Ah, c'est la maman, c'est ma petite chérie. Ouais, t'as kiffé sur elle. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est ton style ça. Ouais, c'est ma petite chérie. Donc, c'est ton style ça ou quoi. Après, je vois pas très très bien en vrai de vrai. C'est que je suis derrière elle en fait là. C'est... Ouais, c'est ça que j'allais dire. En vrai, je suis derrière elle. Attends, quand on l'a croisé. Ah non, il y a un autre mec devant toi. Ah ouais. Parce que ouais, rappelle-toi qu'on l'a croisé, c'est là où c'était serré, tu m'as dit c'est. Ah ouais, ouais, ouais. Il y en avait un qui t'a ouais, peut-être qu'il finit. Ouais, peut-être qu'il a fini lui. Hein. Ah ouais, j'avoue ça. Après tout à l'heure à Boulogne-Neuf, il y a un gars, il a fini. Hein. Attends, c'est... là où tu sais. Attends, ouais, bah ouais, j'avoue, regarde comme ça, tu sais. C'est quoi la Courneuve au dernier. Ouais. Après, je sais pas si tu vas réussir à trouver les ou l'arrêt. Si, il va le trouver parce que c'est sur la. Ah, toi, tu trouves quoi. Toi, tu cherches comme ça, toi. Moi, je cherche. Ah, moi, je regarde sur la carte. Ouais, des je cherche l'arrêt. Je le fais aussi, mais pas tout le temps. Quand c'est une des grandes comme ça, je le tape direct. La Courneuve au dernier, regarde. Ouais, à partir de là, il y a une déviation en plus. C'est où c'est. Non, c'est pas celui-là, c'est le prochain. Et la déviation, je crois, te fait perdre du temps un peu. De fou. Non, mais je pense que c'est plus long de faire ce qu'on doit faire là que. Attends, ouais, attends, toi, tu devais arriver à quelle heure là-bas. Bah là, je suis arrivé normalement. Mais t'es arrivé. Non, moi, je suis arrivé là. Parce que ce qui est bizarre, c'est que. Non, il va me limiter, ça va pas ou quoi. Il est fou. T'as pas de temps, mon frère. Parce qu'en plus, regarde, après 19-16, j'arrive à 22, quoi, mais il est fou. Frère. Non mais là il y a un bus qui est marqué dans 19 minutes, je crois que c'est toi. Bah c'est moi. Et à l'instant c'était marqué 18, après c'est remonté à 19, ça veut dire. C'est-à-dire celui qu'on avait vu à Moulin Neuf, il a fini là. Ouais. Il a fini à la Courneuve et il est rentré. Donc je suis derrière la collègue. Que 19, il a capté que 19. Mais sur la tête. Non, il a reculé parce qu'il essaie que tu vas manger en retard. Ah ok, j'ai capté ce que tu veux dire. C'était pas ça 18, mais c'est 19, abusé, 18. C'est abusé. Bah là tu penses que tu vas arriver dans combien de temps. Là dans une bonne dizaine de minutes, genre 12. T'auras 6 minutes de pause en vrai. Et donc je te disais que tu vas pas me faire oublier. Ouais. C'est ton type là, la collègue là. La collègue. Ah ouais. Après, faut que je la vois bien en face. Ah tu la vois, mais déjà t'as vu un peu à quoi ressemble. Après à voir hein. À voir. Ouais. Et je t'arrange un. Vas-y arrange-moi parce que c'est. La... Et... C'est déjà quoi ça. Bah, c'est la déviation. Non non, c'est. Il y avait marqué arrivé à GA à 14h11. Non, il y a marqué arrivé à GA à 14h03. Non, tu peux déjà être arrivé. Vous êtes déjà arrivé, mais du coup, attends, en vrai de vrai. Ah, c'est un radar 11, non, il y a marqué 11. Oh, c'est passé à 22 ton le truc là, à la Courneuve. Ouais, il est en train de le rajouter là. Ah, je vois, ouais, c'est peut-être qu'il va me limiter. Hein. C'est pour ça qu'il t'a fait non, c'est marqué c'est un Moulin Neuf. Il va peut-être te limiter au prochain. Pas tout de suite là. Ouais, je viens de commencer. Il faut pas te limiter, il y a trop d'écart entre vous là. Ouais, c'est vrai. Non, à un moment donné, ça va être au prochain. C'est au prochain. Parce que attends, faut pas niquer la vidéo toi aussi. Non, je viens de commencer là, c'est pas grave. Juste, j'ai envie de souffler un peu, quoi, tu vois. Vas-y, souffle comme. Il rigole des fois. Tu veux souffler. Vas-y, souffle un petit peu. S'il me fait ça, le mec du cri, je te jure. Tu rigoles. Je vais à Romainville direct. Mais quoi, il disait bien dire tu peux souffler, s'il te plaît, ça me tue de vous souffler. Et moi, j'ai envie de leur faire. Mais je te jure, il y a du monde dans le bus. Oh non, ça va. Ah non, mais s'il me fait faire ça, là. Je te fais souffler. MDR, wesh. Ouais. Quand je vais aller au cri, je suis obligé de faire un appel général, quoi. Alors, le collègue, il m'a dit à gauche, ça passe pas. Parce que des fois ça te le dit quand après que tu t'es censé tourner, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai capté. Ah, ils ont fermé, regarde, route barrée. En fait, c'est toi qui est dans. Quand t'as entendu le premier titre là, juste avant la déviation, c'était pour te dire qu'il est en train de te rajouter. Il est en train de te rajouter, ouais, c'est pour ça. Ah, c'est bon, c'est remis 14h11 arrivé à GR. T'as vu. Et là, je le vois, c'est passé à 21 minutes là-bas. Il y a un départ à quelle heure là-bas. Dans 21 minutes. Ça fait combien 14 plus 21. Parce que là, il est 14. 14 plus 21, ça fait 35. Un départ à 35 ouais. À 35 je suis où normalement sur le radar. Je commence déjà. À Porte de Paris. C'est bon hein, c'est bon pour toi. C'est bon, c'est bon. Ah, bien mangé là. Voilà, ça se passe comme non, ça. Non, moi t'as vu. Ça se passe comme ça la RATP les gars. Ah, mais voilà, non, mais c'est normal. Là, c'est normal. Là ils ont vu, on n'a pas roulé doucement exprès, on n'a pas roulé vite non plus, on a fait ce qu'il y avait à faire, mais. Alors, je sais pas c'est qui le collègue. Après t'as des mecs du CRIV, ils le savent ça. Ouais. Enfin quand je dis des mecs, des filles aussi, des femmes. Je veux dire, il y a des collègues du CRIF qui le savent ça. Et t'en as, ils font les étonner. Ah bah écoute, bah je sais pas moi pourquoi t'es. Voilà, donc parce qu'ils veulent les kilomètres. Normalement on va à gauche normalement. Donc là
train de te skier. Bah là, il voit plus. Non, là, il me voit plus. Ah ouais, bah, je suis plus sur la ligne. Mais en tout cas, là, il sait que. Mais il sait que je suis dans la déviation. Ouais. Ah, à mon avis, il doit bien te guider parce que ça a été rapide, hein. C'est-à-dire qu'il est sur son écran, là, en vrai. Ça veut dire qu'il me voit, en gros. Sans je fais rien de mal. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est bien organisé comme j'aimerais bien faire ça au bled. Le crime au bled et tout. Ah, mais je sais pas si elle crie d'avant. Il allait crier ça. Ah, tu peux avoir un concept. Mais il faut des fonds. Il faut des fonds, mais combien? C'est beaucoup. Hein, ah, c'est beaucoup. Hein. Ça ouais. Paraît rien, mais tu sais, faire un espèce de bâtiment, de tour de contrôle qui gère toutes les lignes. Ouais. C'est pas que la paix des transidèves que vous faites. Moi, je vais aller loin, mon gars. Oh, chier. Pourquoi t'as dit? Parce que le gars, Non, parce que le gars, je crois que c'était un mec de Saint-Denis. J'ai un collègue du dépôt. J'ai pris. En tout cas, ça a délargué ici, mon gars. C'est le mec de Framboise, c'est le mec du Framboisan. Ah, c'est Framboisan, c'est Framboisan, c'est juste là. En fait, nous, on est passé par derrière. Et 70, lui, l'articulé, il passe devant le Framboisan. Nous on est passé par derrière entre guillemets, tu vois. Ah ouais, ça fait les... Là c'est ghetto ici un peu. Hein. Saint-Denis. Putain, on est toujours à Saint-Denis depuis tout à l'heure. Hein. Le mec là, il m'a guetté avec sa casquette là. Il voulait... Non mais il avait un Renoir qui travaille pour l'État. Ouais, c'était... Ah ouais, ça va pas là, c'est pas normal. Pourtant des Renoirs c'est pas ce qu'il manque à la RATP. Hein. Il y a des Rebeux, il y a des Renoirs. Il y a plus de Rebeux que de Renoirs, je pense. Ah, ça dépend. Moi, ça se vaut. Ouais, ça se vaut. Par contre, les Baptous sont pas beaucoup. Ah bah. Mais ça dépend des dépôts. Mais avant, c'était l'inverse, hein, je crois. Ah, avant, c'était. Ah, bon, on avant toujours... Alors, moi, on m'a toujours dit qu'à ce qui paraît, ils faisaient exprès en fonction des secteurs. C'est-à-dire, les secteurs un peu chauds, ils mettaient des Rebeux et des Renois. Ouais. Parce qu'ils passaient dans les quartiers, etc. Et les Baptous, ils les laissaient à Paris. Aujourd'hui, je vois plus ça. Comment ils ne vous respectent pas, c'est un délire ça. Aujourd'hui, ah bah, toujours dans un intérêt. Hein. Maintenant, c'est mix, t'as vu. Non, franchement, les dépôts de Paris, franchement. Ça, c'est des boulots que les babes on ne veut plus faire. T'as capté. Nous, t'as capté, nous, on ramasse les miettes. Quoi. C'est ça. Ah, ça me fait mal au cœur. Là, du coup, on va direct à la Courneuve. Regarde la Courneuve, on va direct. Donc là, la déviation, les filles. Là, on saute. Non, là, on est sur la déviation, là. Mais du coup, on saute tous les arrêts qui restaient, on va dire que t'as la tournée. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça, pour l'itinéraire des personnes, j'aurais pas pris de tout à l'heure. Ouais, voilà. Là, on a sauté quoi? 1, 2, 3, peut-être 3 ou 4 arrêts encore. Ça va me faciliter le travail. Hein. Ouais. Du coup, elle fera pas 1 heure, quoi, tu vois, du coup, la course. Mais tu rigoles, elle fait. On a 1h07, ma gueule. Ah ouais? On est parti à quelle heure? Ah ouais, on est parti à 14. Ouais. Putain, on dirait pas, hein. Ouais. Je reconnais ici, là t'as là, la 86. Tu... Ouais, et quand tu vas tout droit, t'arrives vers la mairie d'Aubert et tout. Ouais, je vois. Où est la 173 là. Voilà. Je crois que c'est ça. T'as l'impression qu'on est dimanche, hein, parce qu'ici en semaine, ça, c'est des cons. Sur le point là, c'est la merde. Hein. Ouais, c'est bouché, je reconnais. Je connais. Heureusement, on est dimanche. Hein. Eh, ça, c'est des cons, je les ai saignés, mon gars. En voiture, en VTC. Ouais, moi aussi. Ça fait très longtemps que je suis pas. Moi aussi, pareil. Là, il devait pas cacher des radars à la 86 à ces côtés là. Là, la gauche, il m'a dit. Je suis obligé de me mettre comme ça, sinon ah ouais. Je peux pas tourner. Ah ouais, tu reconnais les signaux hein. Non, mais j'y vais au casse-pipe, hein, absolument pas là. J'y vais au casse-pipe. Les gens ils sont perdus dans le coup. Non, mais t'inquiète, moi je retiens bien les routes qu'on me dit. Le collègue il m'a expliqué. Lidl, la rue d'avant de Lidl, machin, ça, vous savez, j'ai retenu direct. Et là il m'a dit toujours coup droit et t'arrives à la gare d'Aubert. Là je suis moins en stress parce que t'es là. Ah, parce que. Alors qu'en fait tu peux pas m'aider. Tu dis le fait que je sois physiquement là, ouais, ça. Voilà, les deux collègues, donc ça passe. Quoi. Tu vois. Et d'après ce qu'il m'a dit. Je te laisse les caméras, moi je me casse, pour ça je te laisse. Ah bah je les repiquerai, hein. Oh l'enfoiré. Je vends ta chaîne carrément, je la vends à qui tu sais. Je vais pas dire. Enfoiré. Ouais, un bon billet là. Ça, non mais cool. Normalement c'est ça, hein. Là tout droit t'arrives à la Courneuve, je crois. Bah si ouais. C'est bon, je sais ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. Et donc dans les deux sens. Dans les deux sens, la déviation tu fais dans les deux sens. Ah mais elle est bien cette déviation parce que normalement t'arrives par là-bas, des fois c'est bouché. Ça. Par contre, toi, j'ai que ça t'embête parce qu'on passe pas aux 4000. C'est ça qui est dommage. Ah, je vais voir les 4000. Moi, je vais voir les 4000. Hein. Oh, les 4000, c'est comme le clou, hein. C'est plus comme avant. Hein. Ça a changé aussi. Ouais, ça a changé. Ah, ouais. Les gars, ils ont grandi, ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est plus la même génération aussi, tu vois. La nouvelle génération, elle est pas. Elle est, on va dire, elle est plus calme. Je sais pas. Parce que quand t'as vu ce qui s'est passé là, il y a quelques années, là, tu sais. Non, il y a deux. Il y a un trottoir, il vient me serrer ici, lui, là. C'est un délire. Hein. Ouais, la gare elle est en face. Normalement on arrive de la gauche là. Ah ouais. Non, c'est pratique ça, j'aime bien. Je vais regarder si t'as pas avancé le petit malin là. Ouais, frère, moi je pars à l'heure. Oh, mais là je suis en retard donc maintenant c'est hein, ça sert plus rien de. Ah oui, c'est ça. Tu vois, t'as donné tes 15 minutes. Hein. Y'a combien là? Dans 15 minutes. Ah, bah, je sais pas.
Oh, c'est stylé ce qu'ils ont mis là. Ça a changé. Ah, oui, il y a pas les néons là comme ça là. Ils sont en train d'évoluer. Hein. Par contre, la façade elle est un peu dégueulasse de ce côté là par contre. La quoi? La façade là, du côté gauche. C'est pas très joli quoi. Putain, il y a les camions serrés, ils font chier. Ah ouais, putain, t'es pas loin du Stade de France là aussi. Bon, loin quand même. Par contre, moi j'aime même mettre là où ils sont d'habitude. Là, je pourrais pas parce qu'ils sont là. Ouais, je veux dans station directe. Bah ouais, putain, ça m'arrange pas moi aussi. Oui, madame. Après, c'est où je prends le bus, monsieur l'autre? C'est vous remontez là, là, et à gauche. À où gauche. Je remonte. Là, vous revenez en arrière. Oui. Et à gauche, vous allez voir, il y a un arrêt. D'accord. 150. Okay. Merci beaucoup. De rien, madame. Ben, bonne journée. Merci à vous aussi. Du 1 du nid 249, 2 dans 2, 2 dans 2, dans 14. C'est vrai, je l'ai fait, 249 aussi. Tu l'as fait? Oui. Ça fait beaucoup. 249, 250. C'est quoi, c'est Flandre, ça, non? Ouais. Et c'est où là, c'est l'arrêt 230? En fait, de passer, mais il faut que j'aille au bout pour faire le demi-tour. Moi, non, moi je me mets là. Enfin, tu peux te mettre derrière le tube. Non, parce qu'à leur droite, c'est le 143 et c'est un articulé. Ah, et tu vas le bloquer. Bah ouais, je vais le bloquer. Et là, vu comme il avance pas. Hop, tu vas te mettre quelque part en retrait là, c'est bon. Si, je peux me mettre là en warning si je veux. Bah, les 143, c'est des articulés, des fois ils se mettent là. Là. Alors, par contre, ce rond-point là, je sais plus comment. Du coup, j'ai pas le foiré. Ça filme là? Ouais, ça fait un peu foiré. Ouais, parce que c'est pour montrer le retournement. Ouais, mais ce rond-point là, attends. La dernière fois, tu te foutais de la gueule de la collègue là, tu dis, vraiment, c'est passé à Moulin Instinct, Moulin Neuf, on t'appelle. Faut t'envoyer la voix. Il braque mal ton truc, ouais, on dirait. Mal. Ouais, mais ça va, tu vas passer. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai exagéré en fait. J'ai jamais raté ce rond-point pour te dire. Je vais faire genre dans la vidéo pour ça, c'est ta future femme. On est un peu trop pour là, tu vois, regarde, ils arrivent en plus. Ouais, mais tu sais, eux, le rond-point, ils le font plus facilement. Ils ont beaucoup de gazelles chez eux à Pavillon, je crois. Hein. De gazelles? Ouais, ils ont beaucoup de femmes. Mais c'est des belles femmes. Elle a fait ça comme ça. Elle a fait ça. Ils ont des belles femmes chez eux, je trouve, à Pavillon. Frère, t'as fait à ce point-là ou quoi? Oh. Putain, je suis obligé de me mettre en station. J'ai dit, ah, mais moi, ça m'arrange pas. Je veux pas t'arrêter. Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux? Pour changer les caméras de ça, là. Ils vont me guetter dehors. Ouais, c'est bon, je dis les gars. Attends là, vite fait un petit peu, vite fait. J'ai 143 derrière, t'as pas vu, fais demi-tour. Ah, c'est elle qui vient. C'est elle qui arrive là. Ah ouais. Mais non, tu peux te mettre. Ah ouais, mais non, tu peux te mettre sur le côté gauche. En plus, il te calcule même pas, frérot. Mais il est où l'arrêt du son du... Là, devant, là-bas. Ah non, je peux me mettre à gauche, t'as raison. Tu peux te mettre là en. Ouais. Bah oui, il faut une petite marche arrière. Lui, il est prêt à dégainer son arme sur toi, mon gars. T'as pas vu comment il t'a guetté? En plus, ils foutent la merde. Mais comme ils regardent mal. Oui. Moi, ils étaient quand je suis passé devant eux. Je les ai même pas regardés. Il faut même pas les regarder. Elle passe ou quoi là? C'est bon là. Mais là, t'as pas fait de marche arrière toi aussi. Ah, tu veux. Elle passe. Attends, je vais la regarder, je vais voir c'est qui. Ah, c'est bon, elle passe. Je vais faire un petit bisou de la part de Francis. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. On qu'est-ce vous t'as dit... à dire encore là? Y'a plus rien à dire là. Bah, ça y est, vous avez vu, ligne de merde. Encore, on était dimanche. Ça va. Gros bisous à vous et on s'attrape.